Salut, c'est Axel, j'espère que vous allez bien. On est parti pour tester le deck du premier joueur mondial actuellement. C'est Guglielmo. Donc du coup, il a un jeu mortier mineur, assez sympa, qui cycle assez vite, 2.9. C'est pas le mortier qui cycle le plus vite. On en a des fois des mortiers à 2.3 ou 2.6, mais là on est sur du 2.9, donc c'est un deck quand même intéressant. Je l'ai copié en deck 4. Vous voyez, il a pas mal de défense volante avec la horde de gargouilles, la chauve-souris, et tout ça peut se transformer en contre-attaque grâce au mineur. Donc c'est un deck vraiment intéressant. On va essayer de faire quelques petites games et on va voir un petit peu comment il s'en sort. Allez, on est parti. Et on tombe contre Alex du clan Addicted. Ok. Donc là, on va se mettre comment là? Là, on va se mettre plutôt, je pense, un golem fond de map. On va attendre juste une demi-seconde. Il dépense rien. Hop là, on met notre golem. Ok, on va mettre ça ici. Hop. Ok, c'est bien fait. C'est bien fait. On va envoyer ça ici, tiens. Voilà, on va essayer de mettre la pression sur l'autre tour du coup, pour vraiment essayer de le bloquer un petit peu, son bourreau. J'aurais peut-être même pu envoyer ça directement. Ok, on va juste mettre le zap. Voilà, hop, on va mettre ça ici. Hop. Et on va mettre ça là. Ok. Alors qu'est-ce qu'il va nous envoyer là? Ok, parfait. Ah, oh, en plus il a pas pris l'aggro, ça c'est parfait pour nous. Hop. On va mettre ça ici. Allez, vite. Parfait. Allez, hop. C'est pas grave, ça on va le zap. C'était peut-être pas nécessaire de le zap. C'est vrai que maintenant il y a vraiment beaucoup moins de squelettes qui pop. Mais c'était quand même risqué. Allez, un dernier mortier. Voilà, un dernier coup de mortier. C'est toujours bon à prendre. Qu'est-ce qu'on va faire là? Bah écoutez, on va peut-être juste envoyer un mineur. Ok. Très bien, on va mettre ça là du coup. Hop. Mettre la pression sur l'autre tour. Hop là, attention, on met ça là. Ah, oh, ça c'est bien fait ça. Allez. Et c'est parti, ok. Comment on va s'en débarrasser de ça? On va mettre ça là. Voilà, et on va mettre un zap juste sur les petits. Voilà. On fait attention à pas reset non plus le bourreau, bien entendu. Et en attendant, ça gratte sur les deux tours, donc ça c'est bien. Alors, est-ce qu'on va pouvoir en mettre un autre? Hop là, voilà, on en met un autre du coup. Forcément, on va mettre ça ici, ça là. Hop, on va mettre la pression avec ça peut-être. Alors, est-ce qu'il va abandonner complètement sa tour? J'en ai l'impression. Ok. Donc du coup, on va mettre ça ici pour prendre l'aggro et ça là pour détruire le PK. Voilà, ça va être trop tard, je pense, le poison ici. Il va arriver un poil trop tard, exactement. On va mettre ça ici. Ok, c'est bien fait. On va essayer de le prendre dans le dos, là. Vite. Ok, parfait. Hop, on arrive à se débarrasser de ça. On va se débarrasser de ça également. Voilà. Hop, c'est pas très grave, ça. On va remettre ça ici. Hop. Et, bah écoutez, c'est GG. Parfait. Bah écoutez, c'est une première petite victoire assez sympa. On voit, on peut changer les côtés entre mortier à gauche, mortier à droite. Ça se passe plutôt bien. C'est très agressif comme jeu. Bon, forcément. Hein. 2-9 en élixir, forcément c'est assez agressif. Mais finalement c'est un jeu qui me convient quand même plutôt. Je préfère les jeux de défense contre-attaque. Et là ça me va assez. Ça me va assez. Comment on va faire? On va mettre ça par là. Qu'est-ce qu'il va nous mettre? Vas-y, on va mettre ça. Ah, oh, zut, ça c'est pas de chance. Hop, on va mettre ça là. Non, et... Mais qu'est-ce que... Ils ont pas pris la... Ils ont pas fini la mousquetaire. Attention, hop, on va attirer le... Voilà. Hop là, voilà. Et on kite, ça c'est bien ça. Ça c'est bien fait. Ok, la boule de feu. Très bien, la boule de feu, ça veut dire qu'il l'aura pas sur ma horde de gargouille. Donc on va peut-être même en profiter et mettre... Tout de suite, notre horde de gargouille. On va attendre de voir un petit peu où va la mousquetaire. Non, il n'y a pas de mousquetaire. Vite. Hop, intercept. Oh oui. Oh, c'est très bon ça. Allez. On rentre les dégâts. Oh, la horde de gargouille qui fait très très mal à sa tour. Ça va tomber ici.
Et c'est GG, ok, parfait. Une première tour de tombée, la mousquetaire à qui il reste plus trop de PV. Allez, ça c'est bien ça. Hop, on va mettre ça ici, ça pour encaisser la charge. Voilà, hop. Hop, ça ici, deux petites volantes. Très bien, ça me va. Et on s'en sort, notre mortier est même vivant. Écoutez, je pensais qu'il allait prendre la charge, mais même pas. Et pour l'instant, ça se passe bien. Croûte B qui est pas très très content. Hein. Qui est pas très très content pour l'instant de son début de game. C'est pas ma faute à moi, hein. c'est plus sa faute à lui. Allez, on va envoyer ça. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Allez, hop. On va gratter directement un petit peu ici, avec les trois. Regardez-moi ça. Ça fait beaucoup de dégâts, déjà 1000 dégâts de rentrée là. Hop, on va mettre un mortier. On va faire attention à quoi? On va faire attention surtout à sa... Oh, j'allais dire à sa boule de feu, mais non, il vient juste de la jouer. Ça, c'est dangereux, ça, c'est dangereux. Pourquoi est-ce qu'il l'a joué? Hop, on va essayer de mettre ça là. Hop. Alors, attention. Arrêtez de nous embêter, là. Alors là, attendez, parce que là, sa mousquetaire veut pas mourir, elle a plus de PV. Oh non, mais sa mousquetaire a été juste insane. Elle est restée avec 50 PV tout du long. Ah, c'est abusé. Alors attendez, on va bien snipe sa mousquetaire en premier, on va mettre ça là. Ah, sa dernière mousquetaire, elle nous a fait très très mal. Alors attendez, hop, c'est pareil, on va kite. Allez, c'est bien fait ça. On va mettre ça là, merde. Oh là 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 là, et là le problème c'est que on n'a plus rien. Ah si, hop, allez, on va mettre ça. Voilà, on va bloquer. Ok, vite. Ok, parfait. Alors attention, on va mettre ça là. Allez, c'est le moment. Il faut lui mettre la pression, vite. On rentre les dégâts ici qu'il faut. Ok, on rentre du dégât. Parfait. Parfait, ça l'a mis sous pression. Le problème, c'est que là, le mortier, on peut plus trop l'utiliser. Hein, vous voyez. Oh, vite. Hop, on va mettre ça pour encaisser. Voilà, parfait. Allez. On attaque. Ok, on rajoute ça. Allez, bim. Oh, zut. Le zap qui était de trop. Comment il va nous attaquer, là? On va mettre ça. On va attendre qu'il prenne le focus, on va mettre ça, voilà, parfait. Et je pense qu'on va... Oh non, ça c'est pas de chance. Ou alors c'est mal joué, les deux. On va mettre ça là, on va mettre ça. Attention. Voilà, allez. Oh non, mais pourquoi il arrive toujours à le sniper, mon truc? Bon, ok, c'est gênant là pour l'instant. Ok. On va changer de côté. Oh oui, c'est pas sniper! Allez, rentre des dégâts, encore un coup de pelle! Oh non, ok, ça suffisait pas. Une minute. Très bien. C'est pas grave, on va cycler. Hop, ça ici. Parfait. Là, il est en attente. Il est en attente de notre... Allez, on va le mettre là. Non, 84. Ok, bon, tant pis. On va cycler peut-être des zaps. Tant pis. On va faire autrement. La pression. Hop, voilà, le petit zap ici. Et là, on a soit un coup de mineur. Oh non, bah, ça va pas être un coup de mineur, ça va être un coup de zap. Tant pis, ça va être un coup de zap. Et tant pis, on va quand même gagner. Oh, ça a été long et laborieux. 17 secondes. Le zap est là, il est à portée. 13 secondes et c'est génial. Écoutez, c'est épique, hein. C'est épique. Il a bien réussi à snipe mes mineurs. Bon, j'ai défendu du mieux que je pouvais. C'est dommage qu'il ait pris d'autres tours. Ça aurait été mieux de bien défendre. Après, ce qui nous a mis dans la merde ici, c'est vraiment la mousquetaire qui est restée à 1 PV pendant
pendant je sais plus 10 minutes et qui a fait énormément de dégâts alors qu'elle aurait dû mourir bien plus tôt. Donc ça a été vraiment difficile. Allez, on enchaîne. On enchaîne et on rencontre Oberto. Oberto, salut à toi. Et on va lui dire bonne chance. Tiens, hop là. Je dis pas toujours bonne chance, c'est pas par manque de sportivité, c'est juste que vu que généralement je suis en train de parler. Ok, alors ça peut être chiant. Ça peut être très très chiant. On va essayer de mettre ça, tiens. Hop. Ah non. Bah non, mais... Ok, tant pis. Ah non, c'était inutile ça, Alexandre. C'était inutile. On va mettre ça. On va voir comment il s'en sort. Est-ce qu'il va nous mettre un zap ici? Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Hop. Ah non! Ah putain! Ah, ça va être horrible ça. Ça va être horrible cet archer. Il va nous faire très 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 mal. Ok. Ah non, c'est mauvais ça. C'était très très mauvais, Alexandre. Alors, son archer, il va nous faire très mal. Vous voyez, parce qu'en fait, on a trois troupes qui sont vraiment hyper sensibles. Et du coup, en plus, alors, on va essayer de mettre. Le mortier peut-être différemment. Le problème c'est que le mortier, nous, on est obligé de l'avoir sur le pont. Donc est-ce qu'on devrait pas plutôt essayer de alors on va mettre ça là. Hop. On va essayer de changer de côté, voilà. Voir un petit peu comment ça se passe. Ah, ça c'est bien ça. Hop. Allez. Hop, on gratte un petit peu. On va essayer de changer de côté hein, pour. Tant pis, on abandonne les quelques dégâts qu'on a fait sur la tour de gauche. Mais je pense qu'on va pas avoir trop le choix. Alors attendez, il vient juste de mettre. Hop. Il vient juste de mettre son archer. Ok, très bien. On va mettre ça et on va mettre le mineur ici. Ok, ça c'est bien. Ok, on va mettre ça là. Hop, ok, on s'est débarrassé. Ah non, ça c'était mauvais ça c'était très très mauvais. Ah dommage. Ah dommage. Ah j'ai mal joué. L'idée était bonne de changer de côté. Par contre j'aurais peut-être dû mieux défendre son géant, même si finalement j'avais pas trop de possibilités avec le poison et l'archer. Il était assez large, donc peut-être que du coup j'aurais dû foncer directement sur sa tour. Ça aurait peut-être été plus malin de directement foncer sur la tour plutôt que d'essayer de défendre contre son géant. Vous voyez un petit peu ce deck mortier qui fonctionne très très bien. Je le rappelle, c'est le deck du premier joueur mondial pour l'instant. Donc voilà, un deck à essayer. 2,9 ça va, pour les gens qui n'ont pas l'habitude des jeux rapides, c'est raisonnable par rapport à des 2,3 encore une fois. Des 2,3, 2,6, là 2,9 ça laisse le temps de se poser. Hein. Ça c'est grâce à la gargouille surtout qui est très très chère. Le mortier qui est à 4, mais sinon c'est vrai que tous les autres ils sont autour de 2 ou 3 d'élixir. Donc en plus si vous avez des quêtes à jouer des cartes de 2 élixirs ou moins, c'est un bon deck, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire. Et en attendant, moi je vous retrouve très très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. Et tous les mois, je fais gagner une carte iTunes ou Google Play de 50 euros. Voilà, et je vous dis à très très bientôt. Salut, bye bye.